Unité 4, semaine 4, page 122. Je lis le potier, deuxième partie. Le potier façonne l'argile à la main pour avoir la forme voulue. Sur des étagères en bois, on trouve des bols de toutes les couleurs, des assiettes décorées de tout genre de motifs, des tagines disposées devant son atelier, des vases en céramique, des saladiers et des soupières. Dans le four à bois qui se trouve à côté de son atelier de travail, il met tous ses articles à cuire. Après la cuisson, il passe au polissage et au vernissage pour embellir ses œuvres. Je lis et je comprends. 1. Répond aux questions. A. Quels sont les ustensiles que fabrique le potier? Quels sont les ustensiles que fabrique le potier? Des bols, des assiettes, des tagines, des saladiers, des vases et des soupières. Des bols, des assiettes, des tagines, des vases, des saladiers et des soupières. B. Où met-il ses objets pour les cuire? Où met-il ses objets pour les cuire? Il les met dans un four à bois. Il les met dans un four à bois. C. Où sont disposés les bols et les vases? Où sont disposés les bols et les vases? Ils sont disposés sur des étagères en bois. Ils sont disposés sur des étagères en bois. Je lis et j'écris. 2. Mets les syllabes dans l'ordre pour lire et écrire les mots. 1. Tagine. 1. Tagine. 1. Saladier. 1. Saladier. Le vernis. Sage, le vernissage. 3. Lis les phrases. A. Le potier façonne l'argile. Le potier façonne l'argile. B. Il fabrique des tagines et des bols. Il fabrique des tagines et des bols. C. Ensuite, il passe au vernissage. Ensuite, il passe au vernissage. Je lis et j'écris page 123. 5. Écris les mots avec les syllabes données. Un saladier, un saladier. Un tagine, un tagine. 6. Barre l'intrus dans chaque liste. A.
assiette, voiture, bol, soupière. Voiture. B. Livre, cahier, animal, journal. Animal. C. Poterie, four, argile, fleur. Fleur. Cette mets les mots en ordre pour construire une phrase et écris-la. L'apostrophe façonne. Potier, argile, le. Le. Potier, façonne, l'argile. Le. Potier, façonne, l'argile. B. Passe au il vernissage. Il passe au vernissage. Il passe au vernissage. 8. Complète les phrases avec le métier qui convient. A. Il coiffe les cheveux, c'est un coiffeur, c'est un coiffeur. B. Il fabrique des soupières et des bols, c'est un potier, c'est un potier. C. Il rabote le bois, c'est un menuisier, c'est un menuisier. D. Il cultive la terre, c'est un cultivateur, c'est un cultivateur.